Rosa. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Il y a eu l'épisode de Game of Thrones qui était trop bien. Passe rien de spécial, mais moi ça met en place la suite des événements, donc c'est cool. L'épisode était bien, mais Twitter après c'était encore mieux. Ensuite... Ah oui, il y a Notre-Dame qui a brûlé. Et bon, c'est pas très joyeux. Ah oui, et dernière chose, j'ai vendu ma titine. Je suis triste. J'ai vendu ma voiture hier, ça faisait quelques temps que déjà je voulais la vendre. Et là c'était le grand moment et je suis trop triste. Je lui fais un câlin et tout, ça fait 4 ans que je l'ai. Mais bon, il fallait que je la vende donc voilà. Bon, on passe à l'objet de cette vidéo, le t-shirt Lou. C'est ma pièce préférée, j'en porte tout le temps, H24, des t-shirts amples. Bon allez, sans plus tarder, je vous montre les 3 looks. Premier look, alors ça c'est un look que je mets tout le temps, H24. Hop, Rick et Morty. Ça c'est pour mon copain. Oui, généralement j'achète donc à la taille de mon copain et moi ça fait un t-shirt ample et j'en mets tout le temps. Donc avec ça, mon pantalon préféré, le noir de chez Bershka que je vous mets généralement dans presque tous mes looks. Avec ça, vu que c'est un taille basse, une petite ceinture. Et les bijoux que j'ai achetés également la semaine dernière. Ils sont vraiment trop jolis je trouve. Je vous l'avais pas montré en détail mais c'est des petites pièces comme ça. Ah, arrête de bouger. Et avec ça, des nouvelles baskets. Donc toutes simples, blanches, avec le derrière rouge. Je trouvais ça beaucoup plus joli le rouge en fait que tout ce qui est vert, noir, etc. Allez, let's go. Look 2. Alors là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus classe. Donc, toujours avec un t-shirt ample. Hop, comme ceci. Une petite marinière. Avec ça. Mais c'est pas possible. Je viens de faire mes poils. Je viens de faire mes poils. Le virage de mes. Et avec ça. Un pantalon. Un pantalon fluide. Taille haute. Et la ceinture qui va avec. Et pour finir, j'hésitais entre les mocassins et mes talons, mais je vais rester sur mes talons. Hop, les petites bottines. Et troisième look, le t-shirt loose, qui est vraiment ultra loose, que je vais utiliser en robe, parce qu'il est vraiment énorme celui-ci. En dessous, je mets quand même un short noir tout simple, on sait jamais, hein, qu'il y a un courant d'air. On va éviter de se retrouver les fesses à l'air. Et avec ceci, une ceinture donc noire en dentelle, comme ça, toute simple, pour accessoiriser un petit peu et pas que ça fasse juste un t-shirt que tu as posé comme ça. Si on met le t-shirt en robe, autant l'accessoiriser aussi, donc avec des cuissardes. Ça rajoute vraiment quelque chose à la tenue, style un petit peu Ariana Grande. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre la dernière tenue. Voilà, j'espère que ces 3 looks vous auront plu. Moi en tout cas ça m'a plu. J'adore les t-shirts amples donc j'aurais pu vous faire 10 000 looks, ça aurait été la même chose. Allez, je vous laisse, moi je vais aller au cinéma avec mon chéri et je vous dis ciao.